Hello les amis, j'espère que vous allez bien. 9h43, j'espère que vous avez bien dormi, vous avez passé une bonne soirée hier. Bon, c'était vraiment cool. Je vais pas refaire de la Madero, ça va me faire trop du bien aux jambes parce que j'ai tellement mal aux jambes avec ma séance de sport hier. Donc, je vais faire de la Madero-thérapie là. Et puis après, je vais déposer les deux à l'aéroport. On est sur une belle. Mon fils il est rentré donc hier soir. Il doit terminer un petit devoir de maths. Et puis on est bon. On est bon pour la rentrée lundi. Là, ça y est, c'est reparti. Donc les prochaines vacances, c'est la vacances de Noël. Il est en vacances à partir du 23 ou 22 décembre, je ne sais plus. Donc là, c'est reparti pour un tour. Bon, les amis, première séance de madérothérapie. Ça travaille bien. Waouh, qu'est-ce qu'on le sent. Donc là, on est passé à l'arrière. En plus, avec le sport d'hier, plus ben, la Madero. Ouais, franchement, ouais. Donc, je pense que je ferai la Madero une fois par semaine. Et donc, Madero plus le sport, ce sera nickel. Bon, la séance elle est finie. Je l'ai bien senti. La première séance c'est jamais agréable, mais je vous promets après qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai eu mal aussi parce que comme hier j'ai fait le sport, donc je l'ai vraiment senti dans les jambes. Mais c'est au top du top, donc je vais faire la mat. Regardez qui j'ai retrouvé. Ma petite beauté. C'était le stage? Ouais. En nage? Je me suis amélioré. Il a nagé tous les jours du lundi au vendredi. Mais il est un peu rouge là, donc là je lui ai mis de la crème. Parce que là tu nages le matin et le soir? Ouais, matin 1h30. Enfin ça dépendait des entraînements, si on terminait plus tôt ou pas. Voilà. Maison, ça y est, elle s'est installée, elle, parce que j'ai fait le feu. On a fait 2-3 petites courses avec Hugo, et puis voilà, tranquille. Donc là, il est en haut. J'ai eu pas mal de messages, on me dit il a l'air très fatigué. Ouais, c'est vrai que son staff. Le programme pour nous ce soir, bah, c'est rien. On reste à la maison, je pense qu'il y a la Starac, mais flemme quoi. Je sais pas. Je sais pas si je vais regarder ça ou si je vais regarder un film avec Hugo, je sais pas encore. Il m'a demandé pour aller au cinéma demain, donc on verra. Alors d'abord pour toutes les personnes qui ont un chat où les poils restent collés sur les fauteuils où j'en passe partout, même ça fonctionne sur les chiens parce que je viens de le faire, donc je vais vous montrer. Je viens de le faire donc sur le fauteuil et sur le tapis aussi pour bien vous montrer que ça fonctionne super bien. C'est de la marque Chatmille, donc c'est vraiment un petit appareil comme ceci. On va pas se mentir, quand on voit les poils un petit peu partout, quand vous avez des chats, surtout des chats, c'est vrai que les chats et poils se collent plus facilement donc sur les fauteuils, sur tout ce qui est siège et tout. C'est pas très hygiénique et c'est grave chiant. Et ben ça va vous permettre vraiment d'enlever donc très facilement donc les poils de chat. Donc du coup Chat Smile, c'est un rouleau anti-poil. Donc je vous montre la démo que je viens de vous faire. Donc de base vraiment c'est très efficace pour les poils de chat, mais je le répète, moi j'ai pas de chat, mais ça fonctionne sur la demoiselle qu'elle a. Ben, quand je dis sur, pas sur elle, mais sur son fauteuil, sur le fauteuil où je suis aussi. Je vous ai montré aussi sur le tapis. Ben, je vous montre tout ça. Je voulais vous montrer ceci. C'est de la marque Chat Smile. Donc, c'est pour ramener donc tous les poils de chat de base. Mais moi, j'ai pas de chat. Et ça fonctionne vraiment donc sur ben, les poils aussi donc de chien. Et ça enlève donc tout. Et encore mieux pour bien vous montrer donc sur le tapis. Donc là, vous voyez, il y a des crasses et tout. Donc, quand vous avez donc votre chat et tout, ben vous allez vraiment ramasser donc tous les poils. Et ça va vraiment se mettre donc dans ben, ce petit appareil. Regardez, je vais vous montrer l'intérieur. C'est incroyable. Regardez, je vous montre. Hop, on ouvre. Comme ceci. Et regardez. Hop. Ça se met vraiment bien. Regardez. Voilà. Voilà les amis, donc profitez, vous avez 40% de réduction. Le code promo est juste là et le lien à chaque fois en swipe up.
Hier, j'ai été donc à la nocturne de ma pote Pauline. Regardez, j'ai racheté 2 bougies. J'ai dit que je commençais léger. De toute façon, là... Attendez, j'ai tellement mal encore. Oh, vive le sport, les amis. J'ai racheté 2 bougies chez ma pote Pauline. Oh, elles sont trop bonnes. Je vais les allumer. Ouais, ouais, ouais. Elles sentent archi bon. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez donc acheter donc, les bougies de la marque Yonkei Candle. Putain, j'arrive jamais à le dire. Elle a aussi les calendriers de l'Avent et tout, qui sont juste canonissimes. Allez sur son Instagram, donc elle a son lien et tout, donc n'hésitez pas. Parce que je crois que je vais craquer aussi pour un calendrier de l'Avent. Du coup, j'ai pris celle-ci pour commencer, mais elle a toutes les odeurs de Noël et tout. Oh là 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 là. Voilà, mais ça sent super bon. Il faut aussi que je vous explique quelque chose. Je suis partie donc avec Hugo. Vous savez, ici, donc à la maison, on a un adoucisseur d'eau. C'est-à-dire que l'eau est nickel. On va se mentir avec ça, franchement, nous, on a vu la différence. Attendez, je vais monter parce que il faut qu'il soit là pour m'expliquer aussi. Donc, on arrive au magasin et je demande à la... Alors du coup, moi, ça fait que 2 semaines que j'ai repris le sport. Je suis pas non plus musclore, impossible de soulever. Mais on a commencé à se taper des barres dans la gaza tous les deux. Il me dit, regarde, ils ont remis la quoi? Bah, la map de la saison 1, enfin du chapitre 1 de Fortnite. Ouais, je comprends rien, moi. Ces jeux de PlayStation, je comprends rien. C'est pour ça que je vois tout le monde, là. C'est ça. Ok. C'est pas pour moi ça. Bon allez. J'adore faire à manger, vous savez. Voilà, moi j'aime beaucoup faire à manger, mais c'est vrai que grosse flemme de trouver toujours des recettes, ou alors on a la recette sur internet, mais on se trompe souvent, on ne sait pas pourquoi. Là, sur Mary's Cooking, je vais vous montrer cette application. C'est toutes des recettes avec une vidéo, et ça je vous jure que c'est canonisme. Donc les filles, sur ce support, sur cette application, vous retrouvez de tout. Donc vous avez 7 catégories, 5 régimes alimentaires qu'ils ont juste. Et vous pouvez aussi retrouver donc sur cette application le batch cooking. Qu'est-ce que c'est le batch cooking? C'est tout simplement faire donc votre menu de la semaine en 2 heures de temps. On peut donc retrouver cette application sur iOS, sur Google Play aussi. Alors donc cette appli vous donnera aussi donc l'alternative de pouvoir changer donc tel que si vous voulez pas, si vous ne mangez pas de porc, si vous êtes allergique au gluten. Voici donc l'application Mary's Cooking. Donc regardez ici, donc vous avez les idées du moment. Je vais pas tout vous montrer non plus, mais vous avez donc le velouté de butternut, incroyable, super bon. Regardez. Hop, c'est parti, je vous mets. Donc là, vous avez la vidéo. Alors, donc vous retrouvez donc sur cette appli. Donc vous avez les entrées, vous avez les plats, vous avez des desserts. Vous avez donc aussi la catégorie végétarien, vegan, traditionnel, nourriture saine. Donc là, je vous montre c'est quoi le batch cooking. Donc hop, c'est vite fait. Voilà, pour 2 personnes. Donc elle vous fait donc tout le menu de la semaine. Hop, et c'est canonissime. Je vous mets ici donc pour accéder sur Google Play. Donc pour accéder sur cette application. Donc là, vous avez ici le lien. Et là, je vous mets donc le lien pour accéder donc avec iOS, les amis. Et là, je vous mets donc le lien pour accéder donc avec iOS, les amis. Voilà, donc vous allez vraiment kiffer cette application. Elle est vraiment complète de A à Z. Vous avez le code promo qui est juste ici. Et du coup, donc pour payer votre abonnement, c'est via ce lien-là aussi. Donc, n'hésitez pas. Bah ça, je le savais pour les films de Noël. Tristesse totale. Il tourne ça en été parce que ça coûte moins cher. Regardez. Regardez. Il y a très régulièrement des acteurs marchés littéralement sur une couverture. Si la production est facile et bon marché, ces téléfilms peuvent rapporter gros. Mais c'est pas grave. Je suis toujours autant fan et je serai toujours autant fan des films de Noël. Hugo. 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 Moi aussi j'aurais pu faire la Starac, regarde. Hugo, je t'aime. Hugo, il n'en peut plus de melon. Hugo, regarde. Regarde, comme eux. Oh. Regardez ce que mon fils adore manger. Il mange de tout cet enfant. Il adore ça. Il prend ça au magasin. C'est pas le premier message que j'ai reçu pour les bottes que je portais donc hier. Donc, je porte bien du Clarosa, les filles. Donc, les bottes d'hier, j'avais c'est Clarosa. Sans retour. Ça, mon fils.
Ça, c'était les chansons des années 90, 80. Attends, je comprends absolument pas du tout ce que tu me dis. Je diminue la télé. T'as dit quoi? Tu vas me poser une question sur quoi? Sur le frigo? Ouais. Donc, c'est-à-dire que je peux pas regarder maintenant? Non, pas maintenant. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dépassé leur... Je peux aller voir? Attends. En même temps, t'aurais plus froid d'assiette là. Attends. C'est sans doute ça en fait. Regardez ce qu'il va demander. Il va aller au cinéma demain. Est-ce qu'on peut aller, maman, au cinéma demain, s'il te plaît? Hein? Est-ce qu'on va aller au cinéma, maman, demain, d'amour, chérie? Bon, je vais aller prendre ma douche. Je vais aller mettre mon pyjama. Et ce soir, on sait toujours pas. On fait quoi, Hugo? On regarde un film ou tu joues avec ton copain, toi? Tu joues pas avec ton copain? Oh, il va regarder la peine avec sa mère. Je sais pourquoi ça. Regardez la jalouse. Elle est mise à mettre de Wim. Bah oui. Donc demain, cinéma? Ouais. Vraiment? Je ne sais pas, mon fils. Regardez, mais lui, il a mis son pyjama direct. Il a créé du feu, son sweat plaid. Hugo, de base, c'est ma place. Donc je peux récupérer ma place? Pourquoi? J'en peux plus. Chacun son site. Par contre, bien contente d'avoir mon suite pet, je vous le dis. Parce que, comme par hasard, en plus il pleut, hein. Mais là, elle sort. C'est pas comme par hasard. C'est comme ça, après, je peux baisser les volets, c'est fini. Allez! Lily! Oh là là. Quel temps! Il y a encore un vent. Et il pleut. Bon, avant qu'elle rentre, Hugo, alors on fait un sondage, les amis. Parce que moi, je veux regarder un film comique. Et Hugo veut regarder un film d'horreur. Donc, vous allez voter. Film d'horreur. Après, c'est pas tout. Hein, parce que comme j'ai encore très mal aux jambes, il m'a dit, écoute-moi, regarde-moi et observe. Je vais te montrer comment t'es tiré. Il s'est pris pour mon coach. Ça y est, j'ai un nouveau coach à la maison, c'est lui. Donc, je dois faire comment? Parce que là, j'en peux plus. J'ai mal aux jambes, j'ai des crampes par-ci, par-là. Coach, si tu vois la story... Voilà, on en est là. Ouais, c'est ce que je suis en train de me demander. Pourquoi c'est toi qui as fait ça, tectonique, non, comme ça? Regardez, si on met de la musique et danse ce soir? Non. On met la musique à fond? Non. Et on danse? Non. Si? Non. Allez? Non. Si? Il essaye encore de négocier le cinéma pour demain. Il lui reste encore un petit devoir de maths. Et après, nous allons négocier ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai l'impression que j'ai même plus besoin de vous présenter Sweet Plaid. Ça fait des années que j'ai Sweet Plaid à la maison. Je m'en sépare pas. C'est, voilà, de toute façon, à partir de... Après, ce qui est bien, c'est que ça, c'est le nouveau modèle que moi, j'ai reçu donc cette année. Parce qu'il y a les autres couleurs, donc le rose, le bleu. J'ai, vous le savez, récupéré celui de ma maman. Il y a toujours... Donc, regardez, Sweet Plaid, c'est comme ceci. Donc, jusqu'à la capuche, les poches... Et à l'intérieur, c'est molletonné comme ceci. La petite astuce que je donne... Vous savez qu'il a fait son stage et... Je crois que je l'ai déjà dit, que t'as bu seulement que de l'eau. Oui. Que de l'eau, que de l'eau. Lui, je veux pas dire qu'il est accro, mais sa boisson préférée, c'est l'ice tea pétillant. Mon fils, ça... Après, c'est pas tout, hein, parce que comme j'ai encore très mal aux jambes, il m'a dit, écoute-moi, regarde-moi et observe. Je vais te montrer comment... T'es tiré. Il s'est pris pour mon coach. Ça y est, j'ai un nouveau coach à la maison, c'est lui. En tout, t'as combien de personnages, Hugo? 332. Donc 332 personnages, ou ça fait 332 où je t'ai dit oui pour des personnages? C'est ça. Quasi un an? Non. Quasi, j'ai dit. Il y a plus d'un an que je joue à Fortnite. Oui, mais 332 personnages, 365. Ah oui, ok, oui, oui. Ouais. It's a Fortnite. Huh? It's a Fortnite. Yeah. It's a Fortnite. Hey. It's a